Mais alors, tu nous racontes rien? Non, je suis vénère. Ah ouais? Pourquoi t'es vénère, Serge? Tu veux peut-être dire Serge le Mytho? Pas que c'est comme ça que vous m'appelez. Vous y croyez, vous, à ce que j'ai ou pas? Bien sûr, mais qui t'a dit ça déjà? Mais man, j'ai grillé sur ton portable. Tout à l'heure, tu l'as laissé, t'es parti pisser, et j'ai vu, il y avait marqué appel en absence Serge le Mytho. Mais trop bien. C'est comme ça que tu m'appelles, j'ai vu mon number, je fais ah, c'est comme ça qu'il m'appelle. Les mecs, je leur balance les stories, je leur balance des bises, je leur balance tout, j'ouvre mon cœur, je le mets sur la bleutarde, je l'ouvre comme ça, ça devient un plateau repas, et vous me chiez à la gueule comme ça, vous me chiez dans la bouche, vous tirez même pas la chasse. Je suis un tas de merde pour vous, Serge le Mytho, sérieusement. Mais non, mais Serge, t'énerve pas, c'est juste. Vous voulez qu'on aille sur mon Wikipédia, vous voulez qu'on aille sur Internet, y a pas de galère, moi je bouge pas d'ici tant que vous voyez pas les vrais dos. Voilà, mais... qu'est-ce qu'il y a? Eh bah vas-y, tiens, va sur ton Wikipédia, fais-nous voir. Mais en fait, t'as mal compris, ça a rien à voir avec toi, c'est la correction orthographique qui a déconné. Arrêtez de me carotte, les gars. J'ai travaillé 2 ans sur l'appli T9, donc je sais très bien comment les lettres, elles font des mots. Et ça fait pas du tout ça. En fait, c'est pas nous, Serge. En fait, quand on raconte tes histoires aux autres gens... Mais déjà, pourquoi vous les avez racontées aux autres gens? Combien de fois je vous ai dit, hé, hey, les gars, vous balancez pas? Combien de fois je vous ai dit, c'est pas moi, les c'est gars, vrai, c'est pour vous, je vous le raconte, vous le racontez pas, ça va mettre des histoires. C'est lui qui raconte. Pourquoi tu racontes? Parce que c'est comme ça, tu gagnes à être connu. Mais y a pas, je gagne connu, je suis déjà connu dans plein de doses, ok? Y a plein de pays où les gars, Serge, ça veut dire Rosta là-bas. J'ai pas besoin d'être une Rosta ici. Les gens, ceux qui doivent me connaître, ils me connaissent. Dans le milieu underground, que ce soit de la musique, des arts et de la littérature, man, tu dis Serge, et les gars, direct, ils te donnent soit un billet de réduc pour aller au McDo, soit quelque chose, un cadeau. Puis c'est vrai que des fois, tes histoires, elles sont un peu, comment dire, rocambolesques, quoi. Alors on peut pas avoir une vie de ouf? Bien sûr que si. Vous avez vu le film qui dit il y en a un qui est né d'un bord de la rivière et l'autre il est né de l'autre bord de la rivière? Non. C'est un super film. Ça s'appelle Les deux bords de la rivière avec Robert Redford. Je l'ai vu à 4 ans ce film. Et à 4 ans je me suis dit ok, il y en a un il va être né au bord de la rivière et l'autre il va être né à l'autre bord de la rivière. Ouais. Moi je suis né de l'autre bord de la rivière. Lequel? Le gauche. D'accord. C'est celui où, voilà, le gars, eh ben il a décidé qu'il lui arriverait des trucs de ouf. Moi tous les matins je me lève, frère, il y a le soleil qui tape là, il y a l'œil qui monte là, et je me dis, je regarde vers le ciel, et man, il va m'arriver des trucs de ouf aujourd'hui. Sauf que pour l'instant, moi comme je suis quelqu'un de très humble, je me la raconte pas, comme certains, vous êtes pas visés, mais toi quand même plus que lui, je vais te dire un truc, moi je me la raconte pas. Parce que toi tu vois mytho dans le sens actuel, dans le sens langage de la rue, mais mytho étymologiquement, ça veut dire légende. Et nous, tu sais, comme on est très fan de la Grèce antique, etc., on utilise mytho dans le vrai terme, quoi. T'es devenu un mec légendaire, Serge. T'es une légende. Ouais, je sais, mais... C'est juste que moi, j'ai pas envie que derrière WAM, ça crache dans le dos. Ça t'appartient. Moi, les gars, moi, j'ai pas de frères et sœurs. Hein. Moi, je vous considère comme mes frères. Donc si en plus, je sens qu'il y a du venin, je sens qu'il y a tout ça, je sens que dans le sang, c'est pas du sang qui coule, mais c'est de la demeure. Je préfère qu'on l'indique tout de suite amitié. Mais après, si vous me dites ça veut dire légende, et c'est vrai qu'en Grèce antique, mythos, ça veut dire légende. Donc si c'est employé dans ce bon terme-là, il n'y a pas de galère. Mais comment t'as pu croire qu'on a cru que tu racontais des mythos? Par exemple, t'as cru que genre on était là avec Gringe, on se faisait chier, on s'est dit tiens, on va appeler Serge le mytho, il va nous détendre. Non, man, évidemment que non, j'ai pas pensé ça. Bah, bien sûr, parce qu'on t'aime. Et ça, c'est pas un mytho. L'amour, ça se triche pas, l'amour. Et nous, si par mégarde, on avait tenté de faire quelque chose à un mec comme toi, on serait des vraies putes. Et on n'est pas des putes. Parce que les putes, ça gagne de l'argent et nous, on gagne pas de thunes. Il a raison. Putain, les gars, vous êtes forts. Parce que vous êtes sortis de mon cœur en une seconde et vous êtes trop rentrés en moins de temps. Eh les gars, je vous ai pas raconté une histoire de ouf. Vu qu'on est reparti sur des bonnes bases. Ouais. Hier, je suis en sandales chez WAM. Je me dis, tiens, il y a un petit rayon de soleil. Et là, frère, je tombe sur 2 fumeux. Je suis tipard. Là, j'ouvre la porte. Et dans le clip, je tipard. Capitaine, ça va, Charles? Ça fait quoi? Ça fait 5 ans au moins. Ouais, au moins, ouais. Ouais, cool. Bon, tout va bien. Ça va. Bon, bah, on se prend un café bientôt si tu veux. Avec plaisir. Ouais, grave. Cool. Bon, bah, bonne soirée, mon pote. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Pourquoi il t'a appelé Charles? Ça, les gars, c'est...
c'est une longue histoire. Bref,